un bel envol. Voilà, normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Sébastien un petit peu fatigué, un petit peu à court d'entraînement pour la préparation de son bac, mais dans 15 jours, à 3 semaines pour les champions du monde, il sera en pleine forme. Voilà, course d'élan de 25 mètres, accélération, impulsion sur tremplin et Soukara avec une vrille et demie dans le deuxième envol, malheureusement une chute sur les fesses. Et ça, c'est une pénalité forte qui va handicaper Sébastien Taillac. Vous voyez que dans un championnat de France, il faut être bon ou tout à fait régulier, en tout cas, à tous ces exercices. Et une petite faute, enfin, une grosse faute. Oui, grosse faute même, oui. Grosse faute, oui. Il a manqué d'impulsion sur le cheval un petit peu, ce qui n'a pas permis une élévation correcte dans le deuxième envol. Et il est trop juste à l'arrivée. Alors, ce genre de faute, on les connaît également aux championnats du monde ou même aux Jeux Olympiques, hein, car tout gymnaste qui s'élance pour aborder un exercice n'est pas certain de le terminer, car il y a une prise de risque toujours importante et un contrôle dans l'espace toujours difficile, surtout au saut de cheval.